Monocoque, bateau monocoque, vous connaissez. Après 5 semaines de grève, ils sont rentrés dans les usines, dans les entreprises, dans les bureaux. Ils ont fait trembler le pays et mis sur la sellette un régime trop sûr de son impunité. Les travailleurs du monde entier les ont soutenus, encouragés, en envoyant argent, lettres ou télégrammes de solidarité. En France, en Angleterre, en Allemagne, les dockers ont croisé les bras devant chaque bateau qu'on avait détourné de la colère des grévistes belges. Die Welt, un quotidien allemand, dans un bilan de l'année 1960 écoulée, mettait alors en première page et sur le même plan la crise cubaine, la crise algérienne et la crise en Belgique. La Belgique est dans une situation économique difficile. Depuis la libération, le pays a vécu sur le dos d'un tissu industriel relativement épargné par la guerre. Celui-ci fit illusion jusqu'au jour où le pouvoir finit par comprendre que la concurrence économique serait rude dans le cadre d'un marché commun en pleine expansion. Très vite, les différentes coalitions qui se succèdent au pouvoir entament une longue série noire de fermetures et de récessions, mais cela ne suffit pas. Et c'est seulement à la fin de l'année 1960 que M. Eskens, qui était un gestionnaire rigoureux, qui était un homme d'une grande compétence économique, d'une grande compétence financière, qu'il l'avait déjà bien montré à chaque fois qu'il avait gouverné précédemment, a mis sur la table ces éléments et a dès lors demandé qu'on fasse une loi de gestion rigoureuse. Et les lois de gestion rigoureuse, c'est toujours à la fois le progrès social, le progrès économique et la stabilité, et la sécurité et l'ordre financier. Il est clair que, à l'époque, il y a le Congo. L'indépendance du Congo qui est en toile de fond dans la loi unique. Et Eskens va payer la note. Il faut reporter sur les travailleurs de Belgique
ce qu'on va perdre au Congo. Donc la loi unique, je crois qu'il ne faut pas trop compliquer le fond. Le fond, c'est ça. C'est tirer plus d'intérêt de la productivité des gens, de ce que les gens possèdent, pour remettre à sa place les pertes sèches qu'on aura de l'indépendance du Congo. Intensifier notre effort d'investissement dont le pays a besoin urgent pour prendre sa place dans le marché commun européen et compenser les pertes congolaises. La loi unique, et ça c'est fondamental, on n'a pas dit assez, remettait en cause pour la première fois depuis la fin de la guerre l'accord de législation sociale qui avait été adoptée dans l'euphorie de la victoire par toutes les tendances constitutives à l'époque sur le plan politique. Présentée au Parlement le 4 novembre 1960, la loi unique ne présentait pas moins de 133 articles. 7 chapitres, 7 paragraphes entendaient remettre de l'ordre dans les finances de l'État. Les travailleurs des services publics seraient les premiers à payer. Mais ceux du privé, comme la population tout entière, allaient aussi devoir se serrer la ceinture. On allait s'en prendre aux chômeurs, à la santé, aux pensions, aux communes, aux dommages de guerre, aux impôts. Dans le même temps, on allait mettre en place un système financier favorable aux entreprises. La colère des travailleurs dépassa très largement toutes les prévisions. Mais à la fois les organisations politiques, les partis, à la fois les organisations syndicales, et sans doute les organisations patronales ont dû essayer de conserver sur les acteurs dans la rue, si je puis ainsi m'exprimer, un dialogue ou une autorité qui ne s'est pas avérée facile. C'est le moins que je puisse dire. Fin novembre, des arrêts de travail et des rassemblements de travailleurs ont lieu dans la région de Liège. Partout dans le pays, de nombreuses prises de position démontrent à souhait que Liège n'est pas seul. Pourtant, le monde des travailleurs est divisé. Traversé par différentes tendances, la Confédération des syndicats chrétiens n'évite pas l'ambiguïté. Auguste Kohl, président de la CSC, refuse de condamner la loi unique dans son ensemble et préconise négocier avec le gouvernement. C'est ça, 60. Quand on parle de l'esprit de 60, ce sont des gens qui veulent faire entendre leur voix, qu'on tente à faire disparaître depuis 15 ans. Opposé, dans son principe même, à la loi d'austérité, le Parti socialiste belge mène campagne pour son programme de réforme de structure adopté en septembre 1959. Il reste pourtant traversé par des courants opposés. Le stade platonique est dépassé, il faut être devant et non derrière les travailleurs, déclare André Genot à la tribune d'un congrès socialiste. C'est néanmoins le choix exclusif de la bataille parlementaire qui aura la préférence du bureau national du parti. Celui-ci réclame démission du gouvernement, dissolution des chambres et nouvelles élections. Il y a eu une campagne sérieuse menée par le Parti socialiste, une espèce de campagne de clarification, la campagne de vérité, qu'ils ont appelé ça, ce qui les a amenés à aller faire des meetings un peu partout, et ils ont contribué
j'ose dire sans le vouloir, comme ils le diront plus tard d'ailleurs, ils ont contribué à créer un climat de résistance à la politique gouvernementale, sans se rendre compte que ça allait prendre des caractères concrets et précis. La stratégie pour le Parti socialiste, à mon avis, c'est se servir de la loi unique pour revenir au pouvoir, pour créer une crise gouvernementale et rentrer au pouvoir. Léo Collard lui-même a dit à l'époque, laisser aux parlementaires le soin de régler cette affaire-là et rentrer au travail. Le rôle de la FGTB, c'est de coller au PS pour qu'il rentre le plus tôt possible au gouvernement. Mais il y a une difficulté, c'est que s'il y a action et lutte, la CSC ne sera pas dans la lutte. Ça, la FGTB le sait, qu'elle aura apporté tout le poids de cette action. Donc elle va tout tenter pour qu'on la retarde. Et surtout, mettre en cause ce retardement au niveau de la CSC, qui est coupable de la division des gens. Donc tout ça, c'est une grande stratégie qui prépare le 20 décembre, quoi qu'on ne veut pas le 20 décembre. Le 14 décembre, à la veille du mariage royal, 100 000 travailleurs disent non, une nouvelle fois, à la loi unique. Le 20 décembre, le jour où s'ouvrent les débats à la Chambre, Théodore Jasse, député communiste, déploie au Parlement le calicot des travailleurs de l'assistance publique. Dès ce jour, c'est le démarrage, sans limitation de durée, d'une grève générale des secteurs communaux et provinciaux de la CGSP. De Coquerie-Lougrée, dans la ville de Serein, les ouvriers se rendent en masse au siège de la FGTB à Liège pour faire reconnaître officiellement la grève. À Anvers, les dockers interpellent le bureau régional du syndicat et Louis Major, président de la FGTB nationale. Environnement.